Eh bien salut tout le monde, ça peut c'est parti pour une nouvelle vidéo en roublard, on est contre un Sadida, ça va être assez chaud les Sadidas, c'est vraiment super dur. Après ça va, j'ai une map pas trop mal, où c'est facile de tacler et tout, pas très grande, c'est une des meilleures maps je pense pour moi contre ce genre de classe là en tout cas. Let's go contre Zaga du Gémeaux là. J'ai un thème noir chelou mode nuit en fait, c'est vraiment en mode nuit, genre ça fait moins mal aux yeux la nuit mais tranquille. C'est de moins en moins fun franchement, plus tu montes en côte, moins tu t'amuses parce que tu tombes contre que des tryhards et franchement. On pourrait dire ouais mais il y a plus de challenge, mais non c'est juste chiant en fait, genre vraiment, hein, c'est pas de la mauvaise foi, c'est juste chiant en fait. Parce que je joue contre des voilà, des mecs qui mettent 50% R et c'est pas très amusant. Hein. Je suis désolé de vous l'apprendre de cette manière, mais non vraiment, hein, genre... C'est même pas la question des res R quoi, mais c'est juste que voilà, c'est juste full tryhard et c'est dur de trouver un combat amusant, genre bon là par exemple ça va être... Je sais pas, on verra ce combat là, mais je sens mal quoi. Alors il va nous faire que, il va taper la bombe, très bien, il va la tuer sûrement, c'est pas trop grave, de toute façon il faut essayer de le tacler. Bon, tu tapes très fort en force, hein. J'ai pas trop de res terre en plus. Ouais, j'ai carrément pas de res neutre. Je sais pas, il a quoi en cac, ça me fait peut-être un marteau Hercure. Faudrait faire attention quoi, là il y a moyen de le bloquer. D'aller le retenir un peu plus dur avec son arbre de merde. Bon, ouais, j'ai fait roublardise au pire. Hein. La bombe qui a 14 points de vie, bon, à mon avis, elle va crever la bombe. Hein. Ah, même pas. De toute façon, je peux pas vraiment l'exploiter. Hein. Non, je peux pas vraiment. Bon, en tout cas, ça serait pas correct. Ça serait pas vraiment, comment dire, efficace. Alors, on va foutre une petite bombe par là-bas. Voilà, foutre là, je pense que ça avait pas trop mal. Petite bombe à eau et on va roublardise tranquillos. De toute façon, la bombe en bas va crever dans pas longtemps. On y va. Allez, hop, on le colle. Lui, je pense qu'il va me taper assez fort. J'ai mis le Dofus Emerald, c'est justement voilà, pour annuler le poison para. Bon, évidemment que je suis là, il est pas con. Ah, d'accord. Ok, bon, ça va, il est toujours taclé. Mais la bombe qui a pris des dégâts à côté, ça fait pas plaisir. Hein. La bombe à eau, on s'en bat un peu les couilles, hein. Ça servira peut-être plus tard. Après, faut faire gaffe, pas qu'elle me gêne, mais. Ok, alors il va assurer les kills sur les bombes tous les tours. Hein. Ça m'a l'air d'être sa priorité. Et moi, j'ai déjà perdu masse vita, mais il m'a même pas tapé. J'ai déjà perdu de la vita, putain, mais c'est n'importe quoi. Oh là là, bon, j'espère que le Doppel va pas me retirer de PM. Parce que j'ai quand même 72, ouais, c'est bon, je peux aller le tacler dans le mur là-bas. Aïe 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 aïe, ça va être très dur ce combat, je suis assez focus. Mais je vois pas comment je vais gagner, hein. Putain, les Sayedas c'est vraiment pas simple, on a l'impression peut-être c'est facile, mais vraiment pas. Vraiment pas, popo. Alors. Qu'est-ce qu'on fait? Maîtrise cac bombe, hein. De toute façon on va pas se prendre la tête, autant lui mettre la pression. On va foutre la bombe là, comme ça il peut pas la tuer trop facilement. Hop. Il a déjà tremblement, il a déjà libé, je crois bien. Il va me taper, il tape 700 hein, quand même, 100 crit. Faut essayer de faire un kill rapidement, mais ça va être très dur de faire un kill rapidement. Après, il a que 2000 points de vie, mais 50% R. T'as, t'imagines s'il avait que 30% ou je sais pas, 35. C'est vraiment, ça change tout, hein. Parce que là, déjà, je lui mets des coups de cac à 750 sur du 50%. Il y a peut-être un bouclier malus, ça me paraît bizarre de taper aussi fort, en fait. Moins 2 PM. Oh là là, il s'est bien placé. Je vais devoir faire une aimantation et aller rebloquer. C'est pas... Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il invoque pas trop de surpuissance et tout. Du coup, c'est pas mal pour moi, ça. Je dois vous avouer que c'est pas trop mal pour moi. Ah, on va faire comme ça. Comme ça, on peut peut-être essayer de tuer un peu sa gonflope de merde. Et hop. Et on le retacle. Évidemment, on le retacle. Ah, il va peut-être essayer de faire le tremblement. Voilà, non. Il met la folle. Alors, la folasse, elle est très énervante. Hein. Oh là là, il y a tout qui va être infecté là. Bon, il va falloir la tuer la folle. Hein. Je sais pas si je peux, mais la bombe à eau me fait chier. Hein. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû la mettre, mais bon, je me suis dit s'il part de l'autre côté, pourquoi pas. Oh là là, il tape tellement fort. Putain, si j'avais plus de res, ça aurait été pas mal. Hein. Ok, moins un PA. Putain, la folle, elle se place vraiment comme une petite chouin. Hein. Ce serait bien que c'est la bombe à eau qui meure plutôt. Putain, mais non, meurt pas la bombe là-bas. Ah, la bombe à eau me gêne de ouf. Alors attends, parce que là. Bon, on va essayer de faire full bourrin. Coup de cac, on va libé. Et on va essayer de bien bourriner quoi. 630, moins de PM. Faut essayer de lui mettre la pression. Après, moi, ma vita elle est tellement dans la merde aussi que là il va tuer toutes les bombes. Hein. Voilà, un point de vie, il va la buter. Il me restera qu'une bombe à eau de merde. Et il me reste quasiment plus de points de vie. Et là il va passer en mode soin évidemment. Oh là là, 700 dégâts. Moi j'ai. Putain, mais ma vita elle descend tellement vite. Putain, mais s'il avait pas 50% de res agi, j'aurais gagné. Comment je suis dégoûté.
Là, je le tue jamais, hein. 1500 points de vie. Et à la folle qui me retire des PA, je le tue pas. La bombe qui a un point de vie en plus. Ah, j'ai. J'ai 12 PA, mais avec 12 PA, je fais rien de plus en fait. Je sais pas, peut-être moyen, mais j'y crois pas trop. 12 PA, je peux faire quoi? Cac. Ça coûte 5, il me reste 7. Je peux faire une dague boomerang et une bombe. Ok, on va essayer. Faut vraiment faire un crit, hein. Allez, crit. Non, mauvais jet, ça va pas passer, ça passe pas, putain. Et là, il va me tuer. Putain, 400 points de vie, quoi, je suis dégoûté. On va essayer le kick PA. Tape du 200 quand même, hein. Putain, mais il va me tuer, je suis dégoûté, quoi, vraiment. 100 points de vie, 9 PA. Est-ce qu'il me tue avec 9 PA? Pas sûr, hein, parce qu'il y a le dos coco. Ah, je suis vraiment concentré, les gars. Finalement, la bombe au haut qui va peut-être me sauver la vie. Je sais pas, je vais enlever 2 PA, ce qui est pas trop mal. J'aurais même pu l'enlever plus, il n'y a que 40 d'esquive. Ah, est-ce qu'il va réussir à sauver la vie ou faire quelque chose? J'ai quand même 1400 à tanker, je sais pas sous poison cette fois-ci. Il y a le Doppel qui peut-être juste ils feront sa gros cac s'il fait des crits, je pense qu'avec le Doppel il me tue. Hein. Ok, il va essayer de jouer safe. 127 points de vie, 124 pardon points de vie. Oh là là, est-ce qu'il a un dos coco? Non, je crois pas, de toute façon. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, il m'aurait tué. Hein. S'il avait pas mis sa gonflable, je ferais me tuer. Hein. Là, je suis pas sûr qu'il me tue. Tremblement, il tue la bombe, mais c'est pas grave. 300 points de vie à me faire le Doppel, je pense pas qu'il me l'ait fait. La fois, elle est trop loin pour me tirer des paires. Ça devrait passer. Oh là là, oh ce combat, j'étais vraiment fou focus. J'ai quasiment pas parlé, mais je crois que ça passe. Pas sûr, hein. Ouais, si ça devrait passer quand même. Regardez la vita qui me reste, quoi. Après, j'ai peut-être pas super bien joué ce combat. Je trouve que j'ai fait des petits fails, mais c'était assez dur hein, quand même. 200 points de vie, moins 160 points de vie, quoi. Et ça passe. Oh yo 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 yo. Allez, hop, ça fait plaisir quand même de gagner Saïda là. 180 colisétons. J'espère que le mode nuit vous dérange pas, hein. C'est un petit thème qu'un pote a fait, avec Doflamingo derrière le stuff. On va essayer de trouver un autre combat, là j'étais vraiment... Pouf, va essayer de me... Faut que je me calme pour commenter les combats. Parce que là, j'ai été full focus, full... Ouais, dur de commenter correctement, allez, petite coupure. Il est quel élément? Il est en Striglours, non? Ouais. Donc moi ça va, j'ai 49% de res agi, ce qui est pas mal pour la synchro. J'ai de l'esquive PA au cas où pour les petits retraits PA du cadran et tout. Par exemple le Doppel. Voilà, ok, let's go. On va aller par là. On va mettre la petite bombe à JD Famisère. Évidemment, la petite rémission. Les petites bombes à droite à gauche. On va les mettre un peu loin, éviter qu'ils les utilisent trop pour faire des téléfrags. Ouais, il peut quand même, hein, genre s'il rollback, mais bon, il va TP sur la synchro, il va venir vers moi. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? J'ai lu. Oh, d'accord, il met son. Voilà, bon, il va jouer comme ça. Ça, je sentais. C'est vraiment no brain, hein, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On va en tourloupe T1, on est obligé. Est-ce qu'il me tag beaucoup? Ouais, quand même. Enfin, il me tag pas beaucoup, mais quand même, c'est du tag quoi. On va en tourloupe T2. Let's go. On lâche la petite poudre. Kaboom ou pas? Ouais, un peu kaboom en vrai. Hein. Comme ça, on a les petits boosts. Et en plus, on se protège des bombes. On fait le mur de bombes. On fait comment? On va faire assez grand pour éviter de faire des free TF. Hop là. Et on va faire la petite maîtrise de cac. On enlève 2 PM, ce qui est pas mal du tout le retrait PM pour le coup. Voilà, on annule tout son téléfrag, machin. Il a plus que 3 PM. Il a que 15 d'esquive PM, wesh. Oh, il va peut-être me double debuff et me mettre dans mes bombes. C'est possible, mais ce serait pas si grave, je pense. Il va me frapper. Ouais, le retrait PM est sympa, hein. Franchement, ça peut être pas mal tout ça. Voilà, il me frappe, c'est normal. Il en reste 5 PA, il va peut-être me faire un rayon. J'ai plus d'entourloupe. Il me met un coup de cac, et puis Glourson, ok. Alors là, je suis plus kaboom, malheureusement. Putain, c'est tellement cheaté le debuff, quoi. Tu te rends compte, je suis déjà plus kaboom, quoi. Tant pis, on va détacler comme ça. Allez, on tente le kill maintenant, les gars. Ça va être tendu. On fait comment? Comme ça passe pas. Non, on va se barrer. Bah, faut que je tue maintenant, hein. Allez, on pousse. Combien ça tape? 1000! On va faire la déto, mais j'y crois pas trop. Et non. Il a 0 PM, je crois, hein. 0 PM il me semble. Et il lui reste 500 points de vie. Alors est-ce qu'avec 0 PM, et il y a la fuite malheureusement. Il y a le Dococo qui peut peut-être me sauver la vie. J'ai 1300 points de vie. Ah non, il a 2 PM. C'est bizarre, c'est bugué ou pas? Ah, il a peut-être 2 PM. S'il a 2 PM, je pense que je vais mourir les gars. J'étais focus, je voulais absolument le tuer maintenant. J'aurais peut-être pu faire mieux. Il va remettre une synchro, il va peut-être TP. Il lui reste 10 PA. Putain, je suis en téléfrag ou pas? Ouais, je suis en téléfrag. 6 PA.
6 PA les gars, 6 PA, est-ce qu'il me tue? Flou, ok, ça va. Clic pas de perte. D'où il m'enlève un PA, il a aucun retrait. C'est un Xel en mode Rox. Oh là là. Oh là là, je suis pas sûr que je le tue. Je détacle. Parce que au cac je tape pas beaucoup. Ouais, non, c'est ça. Bah putain, mais j'avais un PA de plus, c'était bon quoi. Bon, on va tester, mais je crois pas que ça passe. Hein. On va tester, allez. Cac. Crit, oh le beau crit, oh ça a passé, yes. Oh là là, 4 tours, oh c'était chaud les gars, c'était très chaud. Et on gagne contre Uta Kit, oh c'était tendu, j'ai eu chaud, hein. Mais j'aurais peut-être pu faire mieux le tour où j'ai fait l'explosion les gars, c'est grave possible, hein, mais bon, c'est pas grave, hein. Finalement ça passe quand même. C'est pas mal qu'il ait eu que 15 d'esquive PM, hein, parce que le retrait PM est bien passé, et encore je pense que j'aurais pu faire mieux parce que je l'ai mis une fois dans les bombes, il aurait dû prendre moins 2, et après je lui ai fait une explosion avec deux bombes, il aurait dû prendre moins 4, hein. Il aurait dû prendre moins 6 PM, enfin normalement vu qu'il a que 15. Ouais, à la limite il esquive 1 ou 2 PM, ok, ouais pourquoi pas, allez. Ok, du coup on a fait deux petits combats, regardez ma côte qui commence à monter. 4649 les gars si on regarde le ladder. Si on regarde notre ladder actuel, hein, de inter-serveur. Avec 4649 on est placé 9ème il me semble. Inter-serveur, hein, de tous les roublards, je parle évidemment des roublards. On est placé 9ème ce qui est pas trop mal, après... Il n'y a pas forcément beaucoup de roublards qui font du PVP et on est deuxième de E4 avec ce niveau de côte quoi. Deuxième de E4 et neuvième E4 c'est mon serveur. Hein. Voilà, c'est juste pour dire. Après franchement là je joue pas spécialement avoir un bon classement mais c'est juste je regardais ça par curiosité et apparemment c'était pas trop mal. Je vais peut-être essayer de trouver un dernier combat les gars et continuer à mettre des likes en tout cas les gars ça fait super plaisir. Parce qu'on se tape toujours des cras, c'est toujours le même genre de combat, cette map là est dégueulasse. Elle est ignoble cette map. Franchement pour Roblar c'est dégueulasse que tous les contours de map c'est injouable les bombes en fait. C'est juste imagine le mec qui se met là, c'est super dur à le mettre dans un mur de bombes. Hein. Ça dépend mais c'est obligé d'aller l'aimanter là pour essayer d'avoir une ligne, enfin c'est super dur. Hein. Vraiment super chiant. Alors j'ai toujours mon mode de thème en noir et blanc, enfin le mode nuit en fait. On l'appelle comme ça, c'est comme sur Twitter et compagnie, c'est ça fait un peu, ça repose un peu les yeux en fait la nuit. Bon je suis pas la nuit mais bon, il est assez joli le mode. Voilà, c'est un cra R non? Bon il est multi, ouais, non c'est le cra basique quoi. Ok, bah c'est parti. C'est parti, c'est parti. On met la petite bombasse. Et on protège un peu notre gueule. Ok, donc toujours notre crowd. En tout cas, merci toujours les gens qui mettent des likes, ça fait super plaisir. Continuez comme ça, les gars. Même si je sais, je m'énerve un petit peu tout le temps dans les vidéos et tout. Il y a des combats, ils sont trop chiants, c'est pour ça que je m'énerve. Mais tranquille, c'est comme ça, c'est le jeu. On fait avec. Non, mais le jeu est bien, hein. Le jeu de Roblox en plus c'est super agréable, mais il y a toujours des petits défauts, hein, évidemment. Regardez, bah par exemple là, je commence le combat, j'ai plus de vita, je suis fin deg. Allez, let's go! Alors, on va pouvoir faire un roublardiste dans le coin là. Ou alors, je le botte et je... C'est vrai que là, ça serait pas mal, au final, il peut pas se pousser. Ah, il me manque un PM, je crois. Attends. Ouais, non, j'aurais pas assez. Ah, si, j'aurais peut-être assez. Ah bah non j'ai pas assez du tout, putain j'ai de la merde. Bah c'est pas grave, on va roublardise là. C'est pas grave, le boost PM peut être utile. Je voulais faire un truc mais il me manquait un PA. C'est le pousser là et moi que je sois là, comme ça il aurait pas pu se décaler en fait. Parce que là il peut dispé. Si j'étais là et lui là il pouvait pas dispé. Ah, si il aurait pu mais c'était un peu de la merde quoi. Enfin ici il aurait pu quand même en faisant sur lui-même, enfan en faisant là. Mais je sais pas c'était mieux. Bon alors il en a je coriandre très bien. Putain c'est quoi ces dégâts, wesh. Putain il fait deux crits en plus. Je suis déjà mid life. Le combat il a pas commencé, calme ton pote. Oi. Alors, il nous tacle en plus, j'ai l'impression. 79, ouais, peut-être. Alors, pourquoi tu pas pour il se met là. Ouais, c'est ce qui me semblait. Alors. Il m'a enlevé un PA, le bâtard. Bon, c'est pas grave, on va quand même se mettre là. Hop. On va mettre un petit coup de cac. On est obligé de lui mettre un peu de pression et se soigner en même temps. On le retient vers nous, il va sûrement dispé. S'il dispé, c'est là. Hein. Ou alors il met des coups de cac, mais il va taper moins fort vu qu'il est en 4 feuilles. Voilà, ça tape moins fort. Par contre, il fait vraiment une chance sur 1 au crit. Je sais pas comment il fait. Ah, il a un tir critique, c'est peut-être pour ça. Ouais, il a vraiment fait full crit pour l'instant. Hein. Je sais pas s'il a fait un seul sort sans crit pour l'instant. Il m'enlève des PA, c'est ça qui est chiant aussi. Je crois qu'il m'a enlevé 2 PA. Ouais, c'est super chiant les deux petits PA qui peuvent être utiles. Par contre, il reste là quoi. Hein. Et il m'enlève des PM. Ok. Et il revient là, d'accord. Bon. Je peux pile poil en tourloupe. Mais je vais peut-être attendre un tour. On va attendre un tour, je pense.
Non, on va attendre un tour. Ok, on met une petite bombe de merde ici. On met un coup de cac. J'ai 2000 points de vie. Il a. Putain, il a encore son tir critique et sa maîtrise. Il est en haut nébuleux en plus. Faut absolument que je le tue prochain tour. Hein. Je sais pas si je pourrais, mais. Oh là là, arrête de crit, arrête de crit. Il fait que des crits. Il a fait que des crits. Il est pas une chance sur 1, c'est pas possible. Ça serait bien qu'il tue une bombe en vrai. Il va pas le faire, mais c'est pas grave. Tu vois ce qu'il fout à détacler à chaque fois. Bon, alors attends, dernier souffle. J'entoure le plat. Ensuite, cette bombe là elle pue la merde. Mais en vrai, j'ai juste à la tirer. Et je fais bot comme ça. Hop, ouais. Tac. Et après, j'attire la dernière bombe de 1. Je sais pas si je peux, mais je pense que je peux. J'aspire juste là, quoi. Voilà, 1700 dégâts. Oh putain, ça va pas passer tant. Peut-être faire péter, parce qu'à mon avis, là, si je fais péter, ça passe. Ouais, voilà. Ok, ça passe. Oh, c'était galère, hein. J'ai bien fait d'attendre le dernier moment pour faire péter, parce que si j'essayais de le faire un move un tour d'avant et que ça passait pas, et je pense pas que ça serait passé en plus, j'aurais été vraiment dans la merde. Parce que là, il aurait pas été à mon cac, il aurait pu partir loin, faire des absos et tout. Bon, ça passe en tout cas, ça passe pour ce petit crack quotidien. Et voilà, voilà. Mmh.